château Ninon. J'ai très très bien connu Ninon de l'Enclos. Je ne sais pas si ça tient de là. Alors il y a un truc, effectivement, l'étiquette peut faire un petit peu peur, c'est une question de goût. N'ayez pas peur, de toute façon, ce qui compte, c'est ce qui est dans la boîte, comme chacun le sait. Ce rosé-ci, il est travaillé sur le fruit. On a un assemblage des trois cépages rouges classiques de Bordeaux, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et Merlot. On a quelque chose qui a du caractère, c'est juteux. Et on s'est dit, en le goûtant, que ça accompagnerait bien une salade de fruits rouges. Non pas parce qu'il y a de la sucrosité, c'est pas un rosé pour les petites nénaines qui trempent les fruits avec. C'est un rosé avec du fruit, mais pas de sucre, simplement parce que c'est très parfumé et que ça fonctionnera très bien. Pour savoir où le trouver, vous tapez Château Ninon sur Internet, parce que c'est distribué par un réseau de cavistes en Belgique, et ça va se vendre aux environs de 6 à 7 euros, TVA comprise. Franchement, ça vaut le coup, non ?